Coucou, bienvenue dans Level One. Bonjour Kyoko. Bonjour Marcus. Ça va? Ça va bien. En pleine forme? Oui. Ouais, Kyoko avec nous aujourd'hui parce que c'est la journée spéciale Japon. Donc Marcus, anglais niveau CM2. Et Kyoko qui est quintilinguiste. Tu parles combien de langues? 4, 5, 6? Ben, je peux pas compter avec un seul doigt. Ah non. Tellement nombreux ah, que. Ouais. Voilà. Mais au moins français et japonais. C'est bon. Pas mal. Donc tu vas m'aider aujourd'hui à jouer à Shenmue. Et oui, les gars, Shenmue, depuis le temps qu'on l'attend ce jeu, et là, c'est la version japonaise, la version française, vous l'aurez jamais. Vous aurez la version anglaise au mois de décembre, si tout va bien, puisque tout a été traduit et sous-titré en anglais, mais pas en français. Ça se fera peut-être plus tard, mais voilà, pour le moment, ce sera en anglais. Et aujourd'hui, avec Kyoko, on va faire la version japonaise. Donc, je parle pas un mot de japonais, mais toi, tu vas m'aider. Bien sûr. Bon, d'accord. Et Kyoko, souvenez-vous, elle nous avait aidé. On avait fait une petite blague sur la Dolphine à l'époque, et Kyoko, tu avais fait une fausse employée de chez Nintendo. Voilà, c'est pour ça que t'es le problème, je peux plus rentrer au Japon. Il te laisse plus rentrer à cause non. de ça. Heureusement, t'as pas fait de prison à cause de nous, mais voilà. Donc Kyoko n'était pas employée de Nintendo. T'es étudiante en fait, c'est ça? Oui, je suis étudiante à Paris. Et tu fais quoi? T'étudies le français? Français interprétariat. D'accord, ouais, donc vraiment, quintilingue comme ils ont dit. Bon allez, on va commencer à jouer à Shenmue, ça tombe bien, c'est un jeu d'aventure, donc avec une vraie enquête en fait. Ce gars-là, c'est le héros, il s'appelle Ryu, on dit comment? En japonais, c'est Ryo. Ah ouais, alors c'est impossible à prononcer pour moi. Mais bon, Ryo, presque, quoi. Ryo, c'est ça. Oui, presque, c'est ça. Et son papa a été tué, donc il va essayer de le venger. Donc le but, c'est de retrouver les assassins de son père. Donc vous voyez, c'est de la 3D, on se balade où on veut. Qu'est-ce que c'est? On dirait des toilettes, ça? On va voir. Ça, tu crois que c'est des toilettes? On verra. Bon, a priori, non, on peut pas ouvrir, donc bon, on saura jamais. Mystère. Ou les toilettes sont toujours fermées au Japon, peut-être, c'est ça? Non. Normalement, aussi. Non. Alors ce qu'on va faire, on va sortir, parce que là c'était la maison natale de Ryu. Ryu. Ah, j'ai un truc dans la gorge qui vient de passer. Ouah. Dès que je parle japonais, c'est une catastrophe. C'est terrible. Donc je vais te laisser faire le japonais. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Tu peux me dire ou pas? J'arrive pas à... 3 décembre. Ah, c'est la 2 date. À 35. D'accord. Eh oui, parce que ce qu'il faut savoir dans ce jeu, c'est que le temps s'écoule vraiment, un peu plus vite que dans la vraie vie. Mais il s'écoule vraiment, vous aurez rendez-vous parfois la nuit, donc il faudra attendre que la nuit tombe et pour aller voir un personnage. Mais sinon, on est vraiment très très libre, ça c'est génial. Là, on va arriver dans la ville et on va essayer de retrouver une Mercedes noire qui est la voiture des gens qui ont tué mon papa. Ok, on va peut-être leur poser une question, on peut leur parler à ces jeunes gens. Yo. Oh, Oni-chan, yakyu shio. Gomen, ato de na. Au secours, Kyoko, ils ont dit quoi? Il lui demande de jouer baseball et il dit bon, un peu plus tard. Ah d'accord, c'est parce pas que le moment. Parce qu'il sait que c'est pas lui qui peut donner un renseignement. D'accord. Bon, on va essayer de trouver quelqu'un d'autre pour nous renseigner, pour savoir... On a normalement un petit menu qui nous... Ah tiens, il se passe quelque chose. Là, c'est plus moi qui joue, c'est une scène cinématique. Oh, elle est mignonne, la petite fille. Ah, Oni-chan. Megumi-chan ka. Neko ga iru no ka. Ah, elle a trouvé un chaton, c'est ça? Oui. Super. Oh. Elle garde cette chaton en secret. J'espère qu'on va le voir. Pourquoi il le cache à ton avis? C'est un fauve monstrueux. Possible. On va leur sauter au visage, j'ai peur. Oh non, ça va. Le chat est mieux le pareil en français et en japonais, on dirait. Ça, c'est le même truc. Je les laisse parler, on n'a pas le choix. De toute façon, on ne peut pas échapper aux scènes cinématiques dans le jeu, parce que ça fait vraiment partie du scénario. Donc, on est obligé de suivre toutes les scènes cinématiques en entier. D'ailleurs, il faut vous dire qu'on a démarré le jeu un peu tard. Il y a 10 minutes d'intro au début, on les a passées, on est sorti de la maison directement. Donc c'est pas vraiment les premières minutes de jeu, parce que les premières minutes de jeu, on joue pas. Et nous, on voulait jouer quand même, donc voilà. On est parti un petit peu plus tard. Oh, il est tout mignon. Alors, elle dit quoi? Elle a trouvé un chat? En fait, la maman de cette chaton est écrasée par une voiture. Oh. Une voiture noire. C'est triste. Oh non, c'est vrai? Oui. Ah, scoop, t'as bien fait de venir. Ah ah, elle a pas dit où il s'était fait écraser la maman du chaton par hasard. Non. En fait, si on trouve un chat écrasé, on sait qu'ils sont passés par là. Ouais. Bon, on va essayer de trouver un chat tout plat, tu vois, d'environ 2 mètres de diamètre. Ça va nous aider. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors là, j'ai le choix entre deux menus. Oui.
Et j'ai pris sud droite, j'ai pas eu le temps de dire. T'as eu le temps de dire, toi? C'était pour donner un chaton. Il a pris un. Oui. Et l'autre choix, c'était quoi? C'était une petite poisson et celui-là, c'est le. Un biscuit. Pas biscuit, mais bon, c'est à la base de tofu. C'est une recette spéciale. Les chats mangent ça au Japon, tu crois? Je pense. Nous, on leur donne des croquettes, enfin, tu vois, des trucs un peu mous. Ça fait un tout petit corps et une grosse tête, regarde. Tu vois? Ça marche bien. Alors, d'après Alex Pilote, qui nous a prêté le jeu, et qui nous a prêté sa copine Kyoko, parce que Kyoko, c'est une copine d'Alex, en fait. Voilà. Alex est vraiment le gars sympa, il vous prête ses jeux et ses copines, c'est quand même super. Donc, d'après Alex, le chat, on peut le nourrir, on peut aller en ville, acheter à manger pour lui, et c'est un peu comme un Tamagotchi, on s'en occupe tout au long de l'aventure. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas forcément utile, on peut le faire juste pour le plaisir. Alors que d'habitude, dans les jeux d'aventure, faut vraiment faire les choses parce que c'est indispensable, et pas parce qu'on a envie de le faire. Donc là, on peut faire plein de trucs qui servent à rien dans ce jeu, c'est ça qui est assez génial, mais qui servent, voilà, c'est comme dans la vraie vie, on fait des choses dans la vraie vie. Donc ça, c'est vraiment une super idée. On peut fouiller partout, prendre plein d'objets, etc., qui serviront pas forcément. Donc quand on est habitué aux jeux d'aventure, il veut pas y aller? Ah voilà. Quand on est habitué aux jeux d'aventure, vous savez comment c'est, on prend toujours tous les objets qui se présentent, on essaie de les mélanger, et puis ça fait toujours quelque chose. Là, il y a plein d'objets qui servent à rien, et ça donne l'impression que tout ça est vraiment vivant, et que c'est comme dans la vraie vie. Donc c'est vraiment génial. Alors, on va avancer. C'est joli, hein? T'aimes bien? Ouais. Ça me rappelle le Japon. C'est vrai, c'est des décors, enfin je sais pas, je suis jamais allé au Japon, moi, du tout. Ça ressemble vraiment à ça? Dans le banlieue, au campagne. Ouais. Les gens sont habillés comme ça, à la campagne. On va parler à ces dames. Franchement beau les visages. Alors est-ce qu'elle a vu quelque chose qui est au cours? Il demande s'il n'a pas vu quelqu'un qui est habillé en noir, mais bon. Il lui dit d'aller demander madame ou monsieur Sumiya. Monsieur Smir? Monsieur ou Madame Smir? Ah, alors je comment sais. Smir, c'est pas un nom de. Comment? Tiens, on va boire un coup, tiens. Pour vous montrer qu'on peut faire des trucs qui servent à rien. Là, il y a une machine. Alors en plus, ils mettent les marques, ils ont pas peur, carrément. C'est rare qu'ils fassent de la pub dans les jeux, en vrai. Là, je ne la citerai pas, la marque, sinon on va se faire taper sur les doigts. Mais je peux même choisir ma marque. Donc je vais prendre. Il n'y a pas de marque pas connue. C'est dommage. Bon, ça, c'est peut-être le moins connu, on va prendre ça, voilà. Et il va boire ça, ça pétillait de partout. Donc voilà par exemple une action qui sert à rien, mais qu'on peut faire quand même. Et ça je trouve que c'est vachement bien, pouvoir faire des trucs qui servent à rien. Donc t'as dit Monsieur Smir, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça indique pas une profession ou je sais pas, on n'a pas d'indice. Non. Monsieur Smir, c'est son nom quoi. Oh, c'est super bon cette marque. Ah, puis il la montre en plus. Ils ont dû être payés par les gens de la marque, en fait, à mon avis. C'est pas possible autrement. Monsieur Smir, donc. Ah, tiens, il y a un taxi. Chauffeur taxi. On peut rien faire avec le taxi, bon. Ah, on va frapper. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Ça, ça c'est ouais, Monsieur c'est Iwata. Bon. Comment tu sais ça? C'est écrit sur la porte? Oui, à gauche. Là? À droite, oui, c'est ça. Ça, c'est le nom? Oui. Eh ben génial, on va trouver le nom. Ouais. Putain, c'est super de le faire avec toi. Alors, tu me dis si tu vois Monsieur Smir quelque part sur une porte. D'accord. Non, Monsieur Nomura. Monsieur Nomura. Voilà. D'accord. Ah oui, on peut. Voilà, là, je suis passé dans la tête du personnage et je peux observer vraiment les décors sous toutes les coutures. Alors, on va essayer de voir si on trouve Monsieur Smir. C'est un peu la chasse au trésor. Attends, je vais. Eh. Est-ce que tu arrives à lire là? Monsieur Kondo. Ah. Oh. J'ai l'impression d'être facteur, tu sais. Ah, attends, il y a un gars, on va peut-être lui parler. Excusez-moi, monsieur. Ah, c'est tout. Bah, il n'avait pas grand-chose à me dire, apparemment. Alors, en fait, ce qui est génial, c'est que les personnages se déplacent, ils font des choses, ils se promènent. Même les personnages, voilà, comme ce passant-là, il peut aller faire ses courses, faire des trucs. Ah, zut! Attends, faut que je me retourne dans le bon sens. Et que j'avance. C'est pas Monsieur Sumiya. C'est pas Monsieur Sumiya non plus. Ça s'écrit comment, Sumiya? On sait pas. Alors, attends, de quel côté je suis pas allé encore? Là, on n'a pas regardé. Je vais essayer de, voilà, de tourner. C'est à gauche. Passer sur le côté. Attends, j'y vais. Non. Non? Toujours pas Smir? C'est pas.
sur ton... Ouais, on peut regarder de manière vachement précise, c'est assez génial. Peut-être demander au gars en moto. Attends, je vérifie les adresses au fur et à mesure. Là, ça te dit quelque chose? Non plus. Bon, c'est toujours pas Monsieur Smir. Ah, là, il y a comme un mur. Mais elle est super, elle est immense cette ville, ça se trouve, on trouvera jamais. Je vais commencer à demander à des gens. Yo! Ima, Iga. Ah! Mou, daijoubu nanka? Ah! Sore yori, ano hi, kuroi fuku no otoko o minakatta na. Kuroi fuku? Mite nai na. Oui, non plus. Il n'a pas vu un type habillé en noir. Ah, donc il ne sert à rien. Si, il ne sait pas où est M. Smir, tout hasard. Ah, j'ai souvenu d'un truc, on dirait. Il faut aller à une place juste à côté de la cabine téléphonique. Ouais. Par là, il y a des dames de Sakura Gaoka. Il dit peut-être qu'elle devait connaître quelque chose. Ah, mais c'est là, c'est les dames où on a demandé tout à l'heure, en fait. Ouais, voilà, c'est elle qu'on a posé la question. Donc, c'est elle qui a donné indice, Monsieur Smir. Monsieur Smir. Ou madame. Ou madame. Ah, on ne peut pas savoir. Non. Est-ce que c'est Monsieur Smir, là? Attends, je regarde. Tac, tac. Non, c'est peut-être pas un nom, là, c'est quoi? Ah, si, c'est un nom. Ouais. Toujours pas Smir? Non. Bon, pas de chance. On va peut-être laisser tomber Monsieur Smir parce qu'on va peut-être pas faire toute la vie comme ça. Je sais qu'il y a une petite boutique un peu plus loin. On va aller dans la boutique. On va voir si on peut acheter peut-être du lait pour le chat ou des choses comme ça. C'est juste là en plus. Voilà. Tiens, clac. Alors, c'est beau comme tout. Ça te donne envie de jouer? Oui. Ouais, tu veux? Si tu veux, tu prends la manette. Hein. Je sais pas beaucoup plus que toi. Donc, bonjour Madame la Marchande. Je voudrais du lait pour le chat, s'il vous plaît. Alors, on va fouiller dans la boutique. Elle a dit un truc intéressant. Je crois qu'il connaît bien la boutique. Il est là depuis quand il était petit. Tout ça. Ah, c'est son village à lui, son village natal. Ouais. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Une barre chocolatée. Un truc génial, c'est que normalement... Shamu, caramel. Caramel Shamu. Alors là, les deux trucs en haut, c'est acheter ou pas acheter, c'est ça? Acheter ou ne pas acheter, oui. Alors acheter, c'est à droite ou à gauche? À gauche. À gauche? Oui. Alors hop, j'achète tes caramels, moi. C'est comme ça. Donc ces caramels vont peut-être pas me servir, mais bon, j'ai le droit de les acheter. C'est ça qui est vraiment bien dans ce jeu. J'ai droit à un truc en plus? Oui. Peut-être qu'elle peut gagner quelque chose. C'est une loterie, une sorte de... Oui. Et il a rien gagné. C'est comme ça au Japon? Tu vas dans une épicerie, on te donne un billet de loto gratos pour que tu aies pas de gagner loto, des trucs. Mais bon. Peut-être qu'il pouvait avoir un deuxième caramel. Ah, pas mal! Attends, je veux rejouer. Il faut acheter. Il faut acheter un truc à chaque fois? Bon, ça, ça a pas l'air terrible. Est-ce que tu vois du lait quelque part pour ou des croquettes pour chat ou je sais pas? Je vais ressortir de là. Où est le rayon laiterie là-dedans? Voyons voir. Ça ressemble pas à du lait. Là, y a rien. C'est vachement calme en plus. J'aime bien l'ambiance. Ça doit être là, peut-être. Là, avec les glaces? Ah ouais, au rayon frais. C'est logique. Regarder plus bas. C'est quoi ça? Donc ça, on peut pas en acheter apparemment. Ouh, j'ai fait. Ah, j'ai appuyé sur n'importe quoi, j'ai regardé l'heure, voilà. C'est bien, c'est important en fait l'heure apparemment. Donc comment je fais? Oula, comment je vais faire pour sortir de là? Que je fasse pas une bêtise, attends. Bouge pas. Ça, c'est mon petit caramel de tout à l'heure. Faut bien observer. Voilà, ça y est. C'est, ça m'a déjà mangé des trucs comme ça, c'est bon, non? Bon, pas chez moi, mais bon. Ah bon? C'est pas très bon pour les dents, en fait. Hein. Est-ce que... Ah non, ça, j'ai rien acheté, donc j'ai pas le droit. Ah, oh, voilà, tu vois, il y a un gars qui vient acheter des trucs. Je trouve ça génial. Il y a un petit gamin qui vient acheter des trucs. Est-ce qu'on peut lui parler? Ouais, super. Il y a une vraie vie dans ce jeu. C'est assez dément. Ok. Il a dit un truc sympa?
Ouais. Mais bon. Il pas... connaît rien, il connaît rien sur ce qu'on recherche. Ah, ça doit être là. Là, avec le café? Ouais. Alors attends. Tac. Tu as pas du lait. Là, il y a des chips. Ah, je suis peut-être pas assez en face. Attends. Je vais me mettre plus bien en face. Voilà. Et vers le bas. Allez, baisse la tête, mon garçon. Oh oui. C'était du lait, ça, non? Ouais. Bon, alors comment je fais si je veux du lait? Ah zut! C'est moi qui dois pas bien le manier parce que je suis sûr qu'on doit pouvoir acheter du lait là-dedans. Je vais essayer de me mettre le plus en face possible. Voilà. C'en est, non, c'est de l'eau. Hein. C'est de l'eau. Oui, c'est... Ah, juste au-dessus, on dirait du lait. J'y arrive pas! Bon, on peut peut-être pas, c'est pas grave. Bon, on va ressortir dehors, on va visiter, on va essayer de visiter plein d'autres endroits. Enfin, vous voyez l'idée, quand on est à peu près doué et qu'on sait manier le truc, on peut acheter à peu près tout ce qu'on veut. Là, c'est très calme, mais il y a des moments un peu plus speed, où il faut réagir très très vite en appuyant sur un bouton. Si par exemple un pot de fleurs vous tombe sur la tête, il faut appuyer sur le bouton rouge très très vite pour éviter le pot de fleurs. Et il y a même des vraies bagarres au bout d'un moment. Tu peux te battre avec des gens, un peu comme dans Virtua Fighter. D'ailleurs, au départ, je crois que c'est le même concepteur que Virtua Fighter, et l'idée c'était de faire un jeu d'aventure avec Virtua Fighter, ce qui est une super idée. Je vais retourner par là, on va voir où c'est. Ah, il veut pas y aller. Parce qu'il a autre chose à faire avant. Ouais. C'est parce qu'on a pas trouvé Monsieur Smir, ça c'est je ça, le sens. Ouais. Donc tu dis que ça ressemble vraiment à un petit village japonais? Oui. Alors attends, on va aller. Oh bah voilà. Il y a un petit jardin, on va aller discuter avec des gens. Donc, c'est une vraie enquête, vraiment. Il faut parler avec plein de gens pour arriver à comprendre quelque chose. Oh, il est joli. Elle a rien vu? Non plus. Voilà, en plus, c'est l'heure, on n'en saura pas plus. On ne trouvera peut-être même jamais Monsieur Smir, c'est horrible. Enfin, en tout cas, il y a plus d'une trentaine d'heures de jeu, donc évidemment, on ne va pas le finir aujourd'hui. Mais vous aurez vu Shenmue exceptionnellement en import dans Level 1, puisque d'habitude, on fait que les jeux qui sont sortis, vraiment sortis dans Level 1. Donc voilà, mais c'était la journée spéciale Japon, et puis on était content d'avoir Kyoko avec nous. Donc merci d'être venu, Kyoko. C'est moi. C'est gentil comme tout. On va continuer à se balader un peu là-dedans. Mais nous, on vous dit au revoir. À bientôt. Ciao. Au revoir.